أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، quel plaisir de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم. On demande à Allah عز وجل de nous rapprocher de lui dans nos vies à travers l'application et l'amour de sa sunna purifiée, sallallahu alayhi wa sallam, et de faire de nous des hommes et des femmes qui boiront au haud de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le bassin qui lui a été fait et offert par Allah. Et toute personne qui boira n'aura pour l'éternité plus jamais soif. Il ne restera que le plaisir de boire les boissons du paradis. Ya Rabbal Alamin. Nous passons à un sujet maintenant qui est la conséquence, en fait, un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le début. La conscience que nous appartenons à Allah, la conscience que notre état dans cette vie d'ici-bas, au jour du jugement et dans l'au-delà, est entre les mains d'Allah Azza wa Jal d'une façon qui sied à sa perfection. Allah Azza wa Jal nous donne un verset, et ce verset, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute une nuit, en qiyam al-layl, en prière de nuit, à répéter ce verset en pleurant, à le répéter. Ce verset est « In tu'adhibahum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka anta al-aziz ul-hakim » Ce qui signifie « Si tu les châties, de toute façon, ils ne sont que tes serviteurs. » Allah peut nous châtier s'il le veut. Il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. S'il voulait mettre tout le monde en enfer, que va-t-on faire? On va appeler un avocat, apporter plainte au tribunal. Il n'y a personne au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Regarde, ce verset, il vient nous écraser nos âmes et qu'on ait conscience qu'Allah fait ce qu'il veut et que c'est juste par sa miséricorde qu'il a mis en place ce système de hasanat et de bonnes actions pour nous faire rentrer au paradis. « In tu'adhibahum fa'innahum ibaduk » Ici, c'est « Qala Allah ala lisan Isa alayhi salam » Si tu les châties, de toute façon, ils ne sont que tes serviteurs. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Et si tu leur pardonnes, فَإِنَّكَ أَنْتَ Eh bien certes, toi seul, الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Tu es le Tout-Puissant, الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, tu es le Tout-Puissant et le Sage. On va revenir et voir un petit peu ce verset. Il y a deux parties dans ce verset. La première partie, la puissance écrasante d'Allah Azza wa Jal. Une pression qui nous est mise. Allah fait ce qu'il veut, il châtie qui il veut, il élève qui il veut. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah n'est pas questionné sur ce qu'il fait, et quant aux créatures, elles seront toutes questionnées sur ce qu'elles font et ce qu'elles ont fait. Deuxième partie du verset. Et si malgré cette toute-puissance et le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, et ceci est représenté à travers le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Si malgré le fait qu'il n'a pas besoin de nous, qu'il fait ce qu'il veut, il nous fait miséricorde, wa in taghfir lahum, t'as vu, c'est nous pardonne nos péchés. C'est quand même extraordinaire. Allah n'a pas besoin de nous, mais on lui désobéit. Mais on veut le paradis. Vous vous rendez compte l'illogisme dans lequel on vit? Nous tous, hein, chacun à sa façon, qu'Allah nous préserve. Elle, la quête de la spiritualité, la quête de l'élévation spirituelle, elle est essentielle. Wa in taghfir lahum, et si tu leur pardonnes, fa innaka, fa, la conséquence. Si tu fais ça, en vérité, c'est juste pourquoi? Parce que innaka, c'est de l'insistance. Anta, encore de l'insistance. En français, je dirais, c'est parce que toi seul, oui, évidemment, toi, l'unique, tu vois, une grosse insistance. Et on finit par, grosse insistance, et on finit par deux noms. El, Aziz ou Al-Hakim. Le Tout-Puissant, le Sage. C'est bizarre de parler de miséricorde et de parler de Tout-Puissant et Sage. Alors, je vous donne une petite faïda, une petite clé de compréhension. On comprend les versets à la lumière des noms qui finissent les versets. C'est toujours des clés de compréhension. Eh bien, en fait, c'est parce que la miséricorde d'Allah est basée et enveloppée, pardon, non pas basée, mais elle est enveloppée par sa toute-puissance et sa sagesse.
Quand Allah te pardonne, il n'y a aucune faiblesse dans ce pardon. C'est un pardon qui est basé sur sa toute-puissance. Et le pardon du fort n'est pas comme le pardon du faible. Le pardon de celui qui peut se venger ou qui peut te punir n'est pas comme le pardon de celui qui ne peut pas se venger et qui ne peut pas te punir. Et Al-Hakim, pourquoi ? Parce que sa justice est enveloppée par sa sagesse. Et ceux à qui il fera miséricorde, c'est juste et c'est la sagesse et c'est la toute-puissance. Et ceux qu'il décidera de châtier, c'est juste et c'est par sa sagesse et par sa toute-puissance. Ce verset fait partie des grandes règles de nos vies, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre ce verset et d'autres au centre de nos vies. Nas'alullah Azza wa Jal an yubarik fi ilmina jami'an ya rabbal alamin. On demande à Allah de mettre les bénédictions dans notre connaissance. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب